Je suis Susana Trimarco, la mère de Marita Verón. Ma fille a été kidnappée le 3 avril 2002. Ce jour-là, ils l'ont frappée avec une crosse de revolver et l'ont jetée à l'arrière d'une voiture. Depuis, j'arpente toutes les routes du pays à sa recherche. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il existait des mafias qui kidnappent et vendent des femmes. Ce sont des réseaux très organisés qui drainent beaucoup d'argent. Je fais tout pour libérer et retrouver ma fille. Je me suis infiltrée dans les maisons closes. Je me suis même faite passer pour une prostituée. Je n'arrêterai pas mon combat tant que tous ces délinquants ne seront pas derrière les barreaux et qu'ils ne me rendront pas ma fille. El 3 de abril, la señora María de Los Ángeles Verón sale de su domicilio sin el DNI, señor presidente, y con solo 5 pesos en el bolsillo. Hoy, a más de 10 años, María de Los Ángeles Verón no ha regresado, señor presidente. Recordemos que es extensísima la prueba que debe ser valorada por el tribunal. Y acuérdese de este número, presidente. 13. 13 son los imputados. 13 parece que es el número de la mala suerte. Mi hija fue atrapada por esta banda que todavía no la devuelve y que cuando yo venía denunciando de hace 10 años atrás, no les mentía. Una madre nunca miente. Un matin, ma fille s'en est allée à un rendez-vous à l'hôpital. En partant, elle m'a dit « Maman, j'y vais et je serai de retour d'ici une heure ». Moi, je suis revenue chez moi vers midi et lorsque mon mari est rentré du travail, il m'a demandé « Et Marita ?» Elle n'est toujours pas rentrée de l'hôpital. Il m'a alors répondu, j'ai la sensation qu'il lui est arrivé quelque chose. J'ai pensé à elle toute la journée. Bon, je sors la chercher. Il n'a même pas posé ses affaires. Il est tout de suite parti à l'hôpital et il est revenu sans avoir pu la retrouver. Là-bas, personne ne l'avait vue. Il m'a dit, viens avec moi, on va la chercher tous les deux. On est alors retourné à l'hôpital. On a cherché dans les rues alentours, mais nous n'avons trouvé aucune trace d'elle. On est alors allé au commissariat pour porter plainte. Mais les policiers ne voulaient pas que je porte plainte en prétextant que ma fille était majeure et qu'elle faisait bien ce qu'elle voulait. Ils nous mettaient des bâtons dans les roues. C'est à ce moment-là que mon mari s'est souvenu qu'il avait un copain d'enfance qui était devenu commissaire, un certain commissaire Tobar. Je m'appelle Jorge Tobar, commissaire inspecteur de la police de Tucumán. Je suis à la retraite et aujourd'hui je suis pilote et instructeur de vol. Susana Trimarco l'a toujours dit, le seul flic qui m'a toujours soutenu s'appelle Jorge Tobar. Lorsqu'ils sont venus frapper à ma porte, je n'avais jamais vu Susana. Daniel, lui, était un ami perdu de vue. Il est donc arrivé chez moi pour m'expliquer que sa fille avait disparu depuis 3 jours, qu'il n'avait pas de nouvelles et qu'il était inquiet. Pour aider mon ami, j'ai donc commencé à mener ma propre enquête. Marita a donc disparu sur le chemin de l'hôpital. Un témoin affirme qu'ici, à ce carrefour, des hommes sont sortis d'une voiture, l'ont frappé, puis l'ont jeté sur le siège arrière du véhicule avant de démarrer. Cette femme, qui a tout vu, vit en face de ce carrefour. Elle a raconté cette histoire dans l'épicerie du quartier. Je vais à l'épicerie, il me confirme ce témoignage. Je vais voir cette femme, je frappe à sa porte, je m'identifie. Elle devient alors très pâle, tourne les talons et me referme la porte au nez. Et depuis, nous ne l'avons plus jamais revue.
Lors de mon enquête, je découvre, grâce à une prostituée, que Marita Verón avait été vendue. Cette prostituée, elle, travaillait ici, à ce carrefour. Je la fais monter dans ma voiture et elle me guide jusqu'à une maison où je vous emmène maintenant. Voilà, c'est cette maison blanche avec des petits escaliers et une voiture verte garée devant. C'est donc ici qu'ils ont emmené Marita. C'est une cache, ce n'est rien d'autre qu'une salle d'attente. Deux jours plus tard, Marita a été envoyée à La Rioja. Ils ont touché leurs 2000 pesos et ciao. Tout montre que cet enlèvement a été programmé par cette mafia spécialisée dans la traite des femmes. Ils nous droguaient tout le temps, pour qu'on puisse continuer à boire. Ils nous droguaient pour qu'on tienne le coup. Ils nous donnaient aussi des cuillères d'huile pour qu'on vomisse, et donc qu'on puisse recommencer à boire. Un jour, j'ai voulu m'échapper, et pour sortir, il fallait passer par-dessus une haute clôture. Ils m'ont tiré dans la jambe, puis m'ont ramené dans le bordel. Ils m'ont tabassé avant de me retirer la balle avec une aiguille à tricoter. Pour les besoins de l'enquête, on rentrait dans les bordels en se faisant passer pour des clients. La piste nous emmenait à La Rioja, alors on en a visité pas mal dans cette province. Et on a fini par trouver celui dans lequel Marita a échoué, celui qui l'avait acheté. On a découvert que la propriétaire de ce bordel n'était autre que la fameuse Liliana Medina. Son vrai nom était Lilia Irma Medina, mais tout le monde l'appelait Liliana Medina. Elle gérait des bordels avec deux de ses fils, ses deux jumeaux, le Chenga Gomez et le petit Chenga. Il y avait des filles originaires de partout, de Tucumán, de Santiago. Elles étaient venues pour être femmes de ménage ou nounous, mais au lieu de ça, elles ont été enfermées dans les bordels de Liliana et ne pouvaient pas en ressortir. Liliana Medina dormait avec un revolver sous son oreiller. Lorsque dans la nuit j'allais aux toilettes, elle se réveillait et je l'entendais me menacer. Elle me disait de ne pas essayer de m'échapper, sinon elle n'hésiterait pas à me tirer dessus. Moi, je rentrais dans ces bordels car il fallait pouvoir la reconnaître et moi, j'en étais capable. Un jour, dans un bordel, un homme s'est approché de moi. Il a commencé à me ploter. C'était horrible, insupportable. Je prenais un gros risque car s'il m'avait reconnu, il n'aurait pas hésité à me tuer et à m'enterrer quelque part. Tout au long de l'enquête, j'ai réalisé beaucoup de perquisitions. Lors de l'une d'elles, j'ai récupéré une fille dans un bordel de Liliana Medina. Elle m'a affirmé qu'elle avait vu Marita Verón. Ah bon? Et quand est-ce que tu l'as vue? Moi, je l'ai vue ici et là. Elle était droguée. Il l'obligeait à travailler. C'était une femme de Chenga.
Tu as dit quoi, une femme de Tchenga? Oui, c'était l'une de ses femmes. Ah bon? Oui, et lui, c'est le patron du bordel. Je connais son nom parce qu'un jour, je lui apportais un thé, et comme la patronne était dans une autre pièce, j'en ai profité pour lui demander son nom. Elle m'a répondu, je m'appelle Marita, et je suis de Tucumán. Ensuite, je l'ai aperçue dans le bordel. Elle était assise, isolée du reste des filles. Je m'imaginais bien pourquoi. On ne pouvait pas se parler, parce que si les autres nous voyaient communiquer, on risquait gros. Donc je n'ai pas pu beaucoup parler avec elle. Beaucoup de filles affirment qu'elles ont vu Marita. L'une d'elles m'a même raconté qu'un jour, Marita a tenté de s'enfuir par une fenêtre, mais elle a échoué. Et ils l'ont tout de suite rattrapée, alors que cette fille, elle, a pu s'échapper. Grâce à l'aide d'un routier qui passait par là à ce moment-là. Mais Marita, elle, s'est fait attraper. Pour chercher ma fille, on rentrait dans les bordels. Et comme on ne la trouvait pas, on criait « Celles qui sont ici contre leur volonté, dites-le nous et on vous sort de là ». Elle criait et beaucoup nous suivaient. Ensuite, je les ramenais chez moi. Elles restaient à la maison et vivaient avec nous. Certaines sont restées 2-3 mois, d'autres 15 ou 20 jours, le temps que je puisse retrouver et prévenir leur famille. Lorsqu'elle m'a libérée, Tobar m'a dit « Je vais appeler Susana Trimarco pour lui demander si tu peux rester chez elle, car tu es un témoin, tu as vu Marita Verón. » Elle m'a reçue et m'a traitée comme si j'étais sa fille. J'ai créé la fondation parce que depuis que je cherche ma fille, j'ai libéré 120 victimes. Toute seule, en tant que mère, toute seule. Et depuis 2007, 8556 autres femmes ont pu retourner chez elles. J'ai vite pris conscience que j'avais besoin de soutien. Parce qu'au début, les filles, je les emmenais chez moi, je m'en occupais. Mais en même temps, il fallait bien que je continue de chercher ma fille, non ? C'est donc comme ça que j'ai commencé à réfléchir à la création d'une fondation. J'aurais aimé ne jamais changer de vie et être toujours celle que j'étais avant. Une mère de famille qui partageait beaucoup de temps avec sa fille et sa petite fille. Bonjour mon amour, comment ça va? Ça va? Tu as passé une bonne journée au collège? Je fais tout ce que je peux pour remplacer ma fille, mais il y a des moments où c'est impossible. Parce que la maman, c'est la maman, et la grand-mère, c'est la grand-mère. Je sais que Marita lui manque beaucoup en ce moment, parce que c'est une adolescente. Et c'est la période pendant laquelle une fille a vraiment besoin de sa mère. Je m'appelle Micaela Verón et j'avais 3 ans lorsque ma mère a disparu. Depuis ce jour-là, ce sont ma grand-mère et mon grand-père qui s'occupent de moi. Ce sont eux qui m'ont éduquée. J'aimerais pouvoir la voir et lui dire « Maman, j'aime bien ce garçon. Il m'est arrivé ci ou ça. » Lui raconter des choses à mon retour du collège. Ça, ça me manque. Mais je ne l'ai jamais eu. Il y a un immense vide.
Tout le monde me raconte qu'elle était une super maman. Mais moi, je ne m'en rappelle pas. Ma grand-mère est une femme très forte, presque trop de temps en temps. Elle veut aider tout le monde et tout le temps. Elle veut retrouver ma maman. Elle veut toujours tout faire. Mon grand-père, lui, il essayait de m'éloigner un peu de toute cette réalité. C'est lui qui m'accompagnait chez mes copines pour éviter que ce soit le garde du corps qu'il fasse. Mika, je l'emmenais partout avec moi. Il m'est même arrivé de la laisser dormir sur le siège arrière, cachée sous une couverture, pendant qu'on entrait dans les bordels avec mon mari pour chercher Marita. Quand on voyageait avec Susana Trimarco, elle restait à l'hôtel pendant que je faisais les perquisitions. Le jour d'après, une fois la perquisition faite, c'est elle qui allait voir la justice pour voir le résultat de la perquisition. La première fois que j'ai réalisé une perquisition surprise dans la province de La Rioja, j'avais un mandat pour détention et perquisition. Mais le juge de là-bas m'a rejeté le mandat. Le juge a regardé ce mandat fait par la justice de Tucumán et il nous a dit qu'il y avait un terme qui ne convenait pas. Qu'ici, à La Rioja, il n'utilisait pas cette expression. Il fallait donc le corriger, ce qui signifiait le faire refaire. Ils ne nous ont pas laissé faire la perquisition. Et pourtant, s'ils nous avaient laissé passer ce jour-là, dans ce bordel, on aurait retrouvé Marita. Parce que lorsqu'on est revenu, une semaine plus tard, on a libéré pas mal de filles. Et l'une d'elles, que j'ai ramenée ensuite chez moi, m'a affirmé que si nous avions pu faire la même opération une semaine avant, on aurait récupéré Marita. Mais entre-temps, le juge a prévenu le bordel et a demandé à un agent des forces de l'ordre de la région d'aller chercher avec son véhicule personnel Marita et quatre filles mineures afin qu'on ne les retrouve pas. La traite des femmes ne pourrait pas exister si elle n'avait pas des connexions politiques, judiciaires ou policières. Une chose est certaine, elle a des connexions et des soutiens à tous les niveaux. La plupart du temps, ma mère dessinait en noir et blanc. Elle dessinait beaucoup de femmes nues. Et le soleil, c'est ce qui l'identifiait le plus. Enfin, je crois. Parce que je ne la connais pas. Il y a des soleils partout. Il y en a même un dans sa signature. C'est pour cette raison qu'elle voulait m'appeler Sol. Et seulement Sol. Mais ma grand-mère lui a dit que c'était trop court alors. Elle m'a appelée Sol Micaela. Moi, je dessine depuis que je suis toute petite, comme si ça me permettait d'oublier un peu tous les problèmes qui nous entourent. Mon grand-père avait besoin de souffler un peu, de prendre de la distance, de faire d'autres choses, car il était très, très déprimé. Il disait même qu'il voulait mourir parce qu'il ne retrouvait pas sa fille. Au milieu de toute cette tempête et de ce combat que nous menions, mon mari a fini par tomber malade. Il a fait deux AVC, un infarctus. Il ne pouvait plus lutter contre cette douleur immense et il a fini par mourir. Thank you.
Je m'appelle Sœur Amelia et je vis à Tucumán depuis 50 ans. Et ici, on me surnomme la voix du peuple. Susana avait inscrit sa fille dans notre établissement. Elle nous a laissé que de bons souvenirs. Elle était très solidaire avec ses copines. Susana Trimarco s'est rapprochée de notre établissement pour nous demander de l'aider à retrouver sa fille et à faire connaître son histoire. Très vite, je lui ai conseillé de contacter les journalistes afin que les autorités compétentes prennent conscience de l'affaire complexe qu'était la disparition de Marita. À las diversas problemáticas que se van dando a conocer. Me golpearon en la cara. Peu après, on m'a attaqué. Me desfiguraron. Des individus m'ont frappé au visage et m'ont défiguré. Mais merci à Dieu, ils n'ont pas réussi à me mettre sur la touche. Ils n'ont pas réussi à me faire taire. Mais je remarque que depuis, aucune enquête n'a été ouverte. À un moment donné, j'ai marché sur la corde raide entre le pouvoir du gouvernement et celui de la mafia. Je ne savais pas lequel des deux finirait par me mettre une balle dans la nuque. Muchas amenazas. J'ai reçu beaucoup de menaces, de textos, des appels téléphoniques. Ils ont tout essayé, même de me renverser avec leur voiture. Le pire qu'ils ont essayé de me faire, c'est d'enlever Mika. Ils ont également incendié ma maison, mais malgré ça, ils n'ont jamais réussi à me faire taire. Buenos días a toda la audiencia de Canal 10. Les contamos, estamos ubicados en el Palacio de Tribunales siguiendo todas las instancias de este juicio histórico que ha comenzado o que va a comenzar en minutos nada más. Estamos hablando del juicio que se sigue por la desaparición de María de los Ángeles Perón, por la privación ilegítima de libertad con promoción de la prostitución. Je m'appelle Carlos Garmendia, je suis avocat et j'étais l'un des avocats lors du procès de Marita. Ce procès, on pensait qu'il n'aurait jamais lieu. Je m'explique. Normalement, lorsqu'un procureur présente au tribunal les éléments de preuve contre un individu, il faut attendre environ 2 ans avant l'ouverture de ce procès. Ce qui est déjà beaucoup. Dans notre cas, on a attendu du mois de décembre 2004 jusqu'au mois de février 2012. 8 ans. À Tucumán, comme dans le reste du pays, tout le monde attendait ce procès. Tout le monde était devant son téléviseur, comme si c'était une telenovela. Por supuesto, los locales están siguiendo las instancias, la prensa gráfica, medios televisivos y radiales han llegado aquí al Palacio de Tribunales. Para seguir paso a paso este proceso, este juicio trascendental, histórico, porque si bien se va a imputar hechos de corrupción y desaparición de personas, se va a conocer o se van a conocer detalles certeros, concisos y precisos de lo que vivió María de los Ángeles Verón mientras estuvo presuntamente en los diferentes prostíbulos de la provincia de La Rioja, también de la provincia de Córdoba, incluso en algunos casos en el exterior. Cuando empieza el juicio, los imputados. Au début du procès, certains accusés semblaient préoccupés.
algunos. Muy callados. Il faisait profil bas. Il ne parlait pas, comme par exemple Juan de Robertis. Lui, il m'avait dit un jour, je ne peux rien faire contre le Chenga Gomez. Parce que j'ai trois filles. Et vous ne savez pas de quoi il est capable. C'est lui qui m'a dit ça, alors qu'il était le bras droit du Chenga Gomez. Chenga n'a peur de rien ni de personne. C'est un homme malin et très dangereux. Su nombre, señor Gómez, completo. José Fernando Gómez. ¿Tiene usted algún apodo, algún alias? Sí, mi apodo es Chenga. ¿Qué edad tiene usted? 30 años. ¿Su ocupación? Comerciante. La mère et le Chenga, c'était un duo terrible. Les gens avaient vraiment peur d'eux. Su nombre y apellido? Lidia Irma Medina. ¿Tiene algún apodo, algún alias? Liliana. Cuando a mi hijo, al Gonzalo, pobre Gonzalo, él no se explica por qué está acá, porque la whiskería la tuve yo. Gonzalo fue siempre, como dijo el doctor Acosta, el nene de mamá, él es Gonzalo. Chenga, siempre a la par de su mamá, siempre tratando de decir, mamá, ¿no tienes plata para comer? Voy a juntar orégano y pongo las bolsitas, nunca me olvido de eso. De los 150 testigos que van a desfilar ante los magistrados, recordemos que 10 son mujeres víctimas de la trata de personas. Ellas de a poquito, tomando confianza, iban contando. Petit à petit, les filles se sont dévoilées et ont raconté leur histoire. Beaucoup d'entre elles ont cohabité avec ces délinquants, donc elles savaient beaucoup de choses sur eux. Un soir, je ne voulais pas travailler. J'ai donc dit que j'avais une rage de dents. Il m'a répondu non, tout ça c'est du mensonge. Donc il m'a dit, prépare-toi et va travailler. Moi, je ne voulais vraiment pas. Je me suis habillée, mais je ne suis pas sortie travailler. Il a alors appelé 5 types et ils m'ont violée pour me donner une leçon. Elle ne me payait pas. Elle ne voulait pas me laisser sortir et elle a commencé à me frapper. Il nous emmenait près d'un fleuve et il nous cognait là-bas, le soir, parce qu'il ne voulait pas faire ça dans le bordel. C'est la seule fois où je sortais, sinon je ne sortais jamais. En 3 mois à la Rioja, je n'ai pas mis les pieds dehors. Je les ai vus tuer des filles là-bas. La vieille, elle a même tué une Brésilienne devant moi. Liliana Medina est montée à l'étage avec Chenga et moi, je les ai suivis. La Brésilienne les a menacées, elle a essayé de frapper Liliana. La vieille l'a attrapée et lui a tordu le cou et l'a tuée. Puis elle l'a balancée du deuxième étage. Les filles relataient ce que leur infligeait leur tortionnaire, qui était assis juste là derrière elles. Et pendant qu'elles parlaient, les accusés les insultaient. Je vous raconte une anecdote. Un jour, le procureur demande à l'une des témoins si elle avait, lorsqu'elle était en captivité, des relations sexuelles avec Liliana. Elle répond que oui, qu'elle l'obligeait à avoir des relations avec elle. Liliana, qui était assise à côté, a commencé à lui crier des insanités, cochonne, connasse, dégénérée, avant de se lever et de s'en aller. Et cette fille a dû poursuivre sa déclaration dans ces conditions-là. Moi, je ne voulais pas revoir tous ces gens. Mais il le fallait, et ça a vraiment été très dur pour moi. Je ne voulais pas les voir, car je me savais capable de faire une crise de nerfs et d'essayer de me faire justice moi-même, avec mes propres mains. Justicia por mis propias manos, una forma de decir.
Et puis, je me suis dit que je ne pouvais pas aller jusque-là et qu'il fallait tourner la page pour mon propre bien. Je persiste à dire que cette mafia ne pourrait rien faire sans la complicité du pouvoir politique, judiciaire et policier. Comment pourrait-il enlever une fille, lui changer son identité, lui couper les cheveux, lui mettre des lentilles de couleur, lui délivrer des faux papiers, s'il n'avait pas de solide soutien au sein même de ses pouvoirs? Avec mes avocats, nous avons insisté sur ces liens troubles et rassemblé énormément de preuves. Et nous sommes plus que certains que les victimes qui ont témoigné au procès ne mentent pas. Elles ont raconté toute la vérité. Otra testigo que vio a María de los Ángeles Verón, señor presidente, habló con ella en la ducha. Le preguntó: ¿Vos sos María de los Ángeles Verón, la que están buscando en Tucumán? Sí, yo soy. Tu mamá, tu familia te extraña, ¿eh? Sí, ya sé, pero ojo, tené cuidado acá con la gente que es jodida. Ya sé que mi mamá me extraña. Inmediatamente apareció el señor Chenga Gómez, partícipe necesario en este delito, señor presidente, y se la llevó. Otra testigo que vio a María de los Ángeles Verón, señor presidente, excelentísimo tribunal, la vio la primera vez como esposa del señor Chenga Gómez. Tenía una cicatriz de cesárea, mirada triste y perdida, y además estaba de ropa interior. Hay otra chica. Il y a une autre fille, originaire de Buenos Aires, qui explique qu'elle a résisté, qu'elle ne voulait pas se prostituer. Ils ont donc fini par la punir et lui attachent les mains et la mettent dans la cuisine. Marita la rejoint alors pour s'occuper d'elle et lui desserre un peu ses liens. Cette fille affirme que Marita avait un bébé dans les bras. Elles échangent quelques mots toutes les deux et Marita lui raconte que ce bébé est le fruit d'un viol du Chenga. El Chenga tiene un hijo con Marita Verón. ¿Cómo puedo tener un hijo con una persona que no conozco? ¿Lo ha podido probar, señor fiscal? No ha podido probar absolutamente nada usted. Si me dice, bueno, la vio una persona, bueno, puede mentir. Dos personas, pueden quedar de acuerdo. Tres, un poquito más difícil quedar de acuerdo, tres. Que la vean cuatro personas, señor presidente, ya hay que tomarlo seriamente al tema. Cinco personas, imposible. Seis personas, siete personas, ocho personas, señor presidente. Efectivamente estuvo María de los Ángeles Verón en La Rioja, señor presidente. No tengo absolutamente nada que ocultar con el caso este de María de los Ángeles Verón, que ha armado el señor Tobar, que la ha confundido a la señora Trimarco y que después tuvo que ir hilando, hilando y trayendo. Y bueno, acá aparece esta chica y la tenemos que traer. No sé de su hija que entienda que sí puedo saber de la whiskería porque mi madre me ha criado teniendo whiskería. Claro que he tenido whiskería. Claro, yo nunca lo negué que tuve whiskería, pero ¿sabe por qué? Míreme a los ojos como yo lo estoy mirando. ¿Y sabe por qué lo miro a los ojos? Porque tengo la verdad, señor. En cambio, usted no investigó la verdad. Y eso le puedo decir, señor presidente, señores vocales. Nosotros somos totalmente inocentes de esta causa María de los Ángeles Verón. Jamás van a encontrar nada de María de los Ángeles Verón. Yo no les deseo la muerte, yo deseo que paguen toda su vida. Je ne veux pas qu'ils meurent, non.
Ce que je veux, c'est qu'ils paient toute leur vie pour le mal qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils ont fait à ma fille, à mon époux. Mon époux est mort de chagrin et de souffrance. Et combien de familles ont-ils détruites après avoir enlevé et assassiné leurs enfants? Je veux qu'ils paient pour tout ça. Entonces que paguen por todo eso. Esta querella solicita la reapertura de la investigación María de los Ángeles Verón según su paradero como posibles autores de los delitos de privación ilegítima de libertad y promoción a la prostitución en perjuicio de María de los Ángeles Verón, Marita, se condene a todos los imputados al máximo de la escala penal, 25 años de prisión. Está todo ya dispuesto para escucharse en algunos momentos más la sentencia. Bueno, doctor Carlos Garmendia, mucha expectativa en la jornada de hoy con respecto a lo que puede ser la sentencia que emita el tribunal en este juicio. Y la verdad que la única expectativa que tenemos nosotros ya a esta altura es ahora, que los vemos a todos los imputados acá, ver a la tarde cómo se van adentro de una patrulla derecho a Villa Urquiza. Yo le tengo que decir a la señora Verón que yo no sé de su hija, que así me maten, así me den 50 años en la cárcel. No puedo decirle nada. Ojalá yo hubiese sabido algo para podérselo decir. A ver, hay movimiento ya en el interior de la sala. Buenas tardes. Está ya ingresado el tribunal. Ya en cualquier momento vamos a escuchar la sentencia definitiva de este juicio. ¿Se encuentran en todas las partes, señora secretaria? Sí, señor presidente, se encuentran en todas las partes presentes. Bien. Señora secretaria, proceda a la lectura. ¿Puede cerrar la puerta, por favor? Bueno. Por unanimidad, el tribunal resuelve absolver a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milgen, absolver a Domingo Pascual Andrada, a Humberto Juan de Roberti, José Fernando Gómez, María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez. En definitiva, el estado de inocencia de los acusados no ha sido vencido. Muchísimas gracias y buenas noches. Si j'avais été dans la salle, ils m'auraient mis directement en prison. En prison. Parce que les juges, je ne sais pas. Susana, por favor. Susana, unas palabras con respecto a lo que he escuchado. Lo único que les pido es esto. Está claro, está absolutamente claro de que esto es un acto de corrupción. Lo único que les voy a pedir es un poco más de ayuda a lo que le han dado a Susana Trimarco como medio y que nos dejen, por favor, que nos retiremos un momento. La verdad que salimos como pudimos, fue un caos. On est parti comme on a pu. C'était le chaos. La presse avait fait tomber les barrières. On a fait le tour du tribunal parce que les portes étaient fermées. C'était vraiment une horreur. Lorsqu'on est finalement arrivé à la fondation, Susana a filé dans son bureau pour aller embrasser Micaela, qui avait tout regardé à la télévision. Nous, son équipe, on s'est mis en cercle. On était silencieux. Tout le monde pleurait, parce qu'on ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Et Susana ressort tout d'un coup de son bureau, elle se met au milieu du cercle, elle se met comme ça, elle fait ça avec ses pieds. Je ne baisse pas les bras. On va répondre à la presse et on continue notre combat.
C'est elle, au final, qui nous a sortis de cette situation. Porque a Marita hay que encontrarla. Hay que encontrarla y yo sigo con esa potencia y esa fuerza que mi hija me da. Ils les ont laissés en liberté. Et moi, qu'est-ce que je suis allée faire là-bas? Donc si je comprends, eux, ils disent la vérité et pas moi? Malgré sept témoins clés différents, tu continues de douter? Malgré sept témoins qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus, tu as toujours des doutes? Ça, c'est mon catapoli. C'est un perroquet. Oui, parce qu'ici, dans le Nord, un cata, c'est un perroquet. Je m'appelle Emilio Herrera Molina. Je suis juge et j'ai démissionné après le procès en décembre 2012. J'ai pas relu le verdict depuis trois ans. J'ai jamais voulu le relire. Ça fait pas partie du passé, parce que j'y pense souvent. Aucun des accusés n'a confessé ou avoué. Il nous restait donc à étudier les preuves. Certains témoins affirment qu'elle l'avait vue à La Rioja ou à Cordoba, dans des clubs ou plutôt des bordels. Mais ces témoins n'étaient pas clairs. Elle ne se souvenait pas de comment elle était habillée, de la couleur de ses cheveux, l'âge, les yeux. Le témoin utilisé comme preuve doit convaincre la cour afin de pouvoir condamner les accusés. Le fiscal et la partie civile ne nous ont pas fourni des preuves irréfutables pour les condamner. Donc tu es juge, mais tu ne comprends rien. Ok, fais un pas de côté alors. Tu ne peux pas venir nous dire qu'il n'y a pas assez de preuves. Qu'est-ce que tu veux? Que j'aille faire une perquisition et que je te ramène une petite culotte de Marita Verón avec des sécrétions pour faire un test ADN et être certain qu'elle est bien passée par là? Arrête, mon vieux. Les choses ne fonctionnent pas comme ça dans la vraie vie. Comment les juges sont-ils arrivés à la conclusion que les accusés exploitaient des femmes? Quelle était la preuve? Qu'est-ce qui leur a permis d'en être certains? Les témoignages des victimes? Et ces mêmes victimes assurent qu'elles ont vu Marita. Mais non, c'est sur cette partie-là qu'elles l'aient vue, on ne les croit pas. Ce sont des ordures. Ils nous ont manipulés. Et en plus, ils ont cru qu'on allait rester les bras croisés, que l'on avait perdu le procès, qu'on en resterait là. Mais non, j'ai demandé à la justice de faire justice, de relire le dossier pour qu'elle ait conscience qu'on a toujours dit la vérité. À partir de ce moment-là, la justice n'a pas eu d'autre choix que de revoir ce verdict scandaleux. Un an plus tard, en décembre 2013, le tribunal de Tucumán prononce un nouveau verdict et celui-ci nous donne raison. Il assure que tous les accusés auraient dû être déclarés coupables. Et ils sont déclarés coupables. Ce verdict ordonne à un nouveau tribunal de leur donner la peine qui correspond. Cette décision est très importante pour la cause Marita Verón. Mais pas seulement, car elle indique le chemin à suivre aux autres juges. Je la cherche vivante, mais si elle n'est plus de ce monde, je veux le savoir. Parce que ce qu'on vit avec Mika est un véritable calvaire.
Ne rien savoir, c'est horrible. Comme si la terre l'avait englouti. Là, tout de suite, nous allons aux thermes de Rio Hondo, et plus précisément au club nautique. Un endroit où le clan Ale a des propriétés. Un clan qui est impliqué dans l'enlèvement et la disparition de ma fille. Là-bas, la police va chercher le corps de ma fille qui aurait peut-être été jeté dans un puits. On est sur la route. Non, non, on y est dans quelques minutes. Nous sommes au club nautique, une sorte de village vacances, composé de nombreuses cabanes qui se louent ou qui s'achètent. Et il semble que l'une de ces cabanes appartient à Ruben Ale, ou au Mono Ale, à l'un des frères Ale. Et l'information que nous avons, c'est qu'ils auraient tué Marita avant de jeter son corps dans une fosse septique qui est ici. Ce trou fait environ 3 mètres de diamètre et 5 mètres de profondeur. Et la grande quantité de liquide à l'intérieur pose des problèmes aux plongeurs, qui ont bien du mal à toucher le fond, ce qui complique fortement la recherche d'ossements. Nous essayons donc maintenant de faire venir un camion-citerne pour vidanger ce puits, afin de continuer les recherches dans des meilleures dispositions. Dans les prochaines heures, nous allons également recevoir un géoradar, un instrument qui permet de sonder le terrain, qui relève les anomalies et qui permet donc d'être beaucoup plus précis sur les endroits à creuser ou pas. Allez à l'hôtel parce que je ne veux pas que Mika reste là. Allez-y, je vous rejoins plus tard parce que ce n'est que le début ici. Non, 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 tout va bien. Je suis bien entourée ici. Ce n'est pas la première excavation que nous réalisons. Et à chaque fois, nous recherchons une Marita morte. La piste d'une Marita vivante nous emmène à l'étranger. Mais je ne m'occupe pas de cette partie de l'enquête. Susana est dans l'attente, elle est angoissée. Lors des autres excavations, on s'est rendu compte que des gens nous utilisaient pour qu'on trouve d'autres pistes qui n'ont rien à voir avec Marita et qui impliquent d'autres délinquants. C'est pour cette raison que je n'y crois pas vraiment aujourd'hui. Ce n'est pas la première excavation à laquelle j'assiste. Il y en a déjà eu à La Riora, à Cordoba. Mais à chaque fois, j'y allais et je savais que je ne retrouverais pas ma fille dans ces endroits. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Ils sont capables de tout et surtout d'avoir assassiné ma fille. J'ai un très mauvais pressentiment. Si es que mi hija está ahí en ese lugar.
Peut-être que ma fille se trouve ici, dans ce trou. Moi, j'ai toujours pensé qu'il lui avait fait du mal, parce qu'on ne l'a jamais retrouvée. Je pense que toute personne a le droit et mérite de reposer en paix près de sa famille, plutôt que d'être enterrée n'importe où. Ma fille me donne beaucoup de courage et de force. Je pense à elle tous les jours de ma vie. Jamais je n'ai essayé d'arrêter de penser à elle. Et c'est elle qui me transmet cette force pour que je continue mon combat. Car on ne doit pas permettre qu'un tel malheur détruise une autre fille et une autre famille, comme on a détruit la nôtre, non? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à ma fille? Que nous l'aimons de tout notre cœur, que nous continuerons à la chercher, que l'on n'abandonnera jamais et que nous l'attendons avec les bras grands ouverts pour l'aider, l'embrasser, l'aimer. Et que plus jamais, Mika, toi, ma fille, et moi, ne nous séparerons. Et ma fille, je t'aime de tout mon cœur.